Alors coucou tout le monde, là pour ce nouveau numéro on se dirige vers Leclerc pour la Star Wars qui reprend du service pour la DRDDR je pense. J'ai pas trop suivi, je crois que c'est la DRDDR. Non, je crois que c'est juste parce que Leclerc sont partenaires avec eux et que comme c'est les fêtes, ils vont faire une animation. Voilà, donc ils font une animation dans Leclerc. Du coup, ben, ce deuxième numéro est encore une fois consacré à Star Wars. Et il faut savoir que c'est la veille de Noël, donc le magasin risque d'être bondé. Déjà, rien que sur la route, les gens sont fous. Il y a des gens qui font leurs courses de dernière minute, ça me fera toujours rire, mais bon. Eh, roule pas comme ça, hein! C'est pas de ma faute, il a freiné brusquement, lui! On vient de parler à Nico pendant un petit moment. Donc comme vous voyez, voilà. C'est mon père. Et Camille, elle a flippé les draps. Ah, j'ai rien fait de mal, je vous le jure. J'étais un Jedi dans une autre vie. Camille, elle flippe. Il vous lit plus que. T'as le Jedi là-bas. Donc. Attends, je vais essayer de montrer avec mon doigt. Ici. Ici, on a Nico. À côté, on a normalement Monsieur Vador. C'est ton père. Monsieur Vador. C'est ton père en fait. Ah donc c'est toi qui étais en Dark Vador la première fois à Bologne? Non. Ah si, en 2007 c'était moi. Ah oui, mais. Ah non, parce que moi j'ai dit c'est peut-être mon père, il s'est retourné à ce moment-là, je merde. Si lui il me dit qu'il est mon père, tu me barres en courant. Oh mon dieu, il me redonne. Oh, il s'est retourné. Bah oui, on écrase les gens, bah oui, c'est normal. Vous étiez pas encore né en 2007? C'était moi. Si, j'étais né, mais. Je crois non, pas qu'on Star Wars, était. Je suis resté en civil, on a eu tellement peu de travail qu'on s'est dit de venir. Puis il y en avait d'autres qui étaient très beaux. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et donc, ici. Attends, il est où mon doigt? C'est Laurent. Hein. Là. Oui, donc c'est Laurent. Bon. Et là, on a. Alexandre de l'association 1000 Carcasses. Donc c'est, pardon? De l'association 1000 Carcasses. 1000 Carcasses, c'est ça? Oui. Ok. Bon, alors je vais vous demander chacun votre tour de. Principalement toi, Nico et Alex. Toi, tu comptes pour deux. De présenter vos associations. Chez vous. C'est donc présente-moi la. Enfin, présente-nous L'association Star Wars Côte d'Opale. Alors, bah, écoute, pour répondre à ta question, l'association Star Wars Côte d'Opale, c'est du Star Wars sur la Côte d'Opale. C'est pas plus beau plus que ça. Hein. En fait, on était une bande de vieux, hein, parce qu'il y a des jeunes qui nous ont rejoints entre temps, mais à la base, on est une bande de vieux. On était 3-4 gars en se disant, bah, tiens, on aime bien Star Wars. Et puis, bah, on est vieux, on a plein de jouets Star Wars dans notre cave, et puis on va peut-être pouvoir les ressortir, parce qu'il y a des nouveaux films qui vont sortir. Donc, on s'est retrouvé à une exposition qui avait été organisée en décembre 2015. Et dans cette exposition, on a rencontré de nouveaux copains de jeu, donc des petits jeunes comme Alex.
depuis des mois jeunes, comme d'autres personnes qui sont pas là parce qu'ils sont partis se coucher, vu qu'ils sont fatigués, hein, c'est des vieux. Et on s'est dit, bah, on va faire des expositions avec nos jouets et puis nos maquettes, parce qu'il y a des gars qui font aussi des super maquettes. Puis bah, comme il fallait aussi des cosplayers, parce que nous on n'était pas très cosplay, on a demandé à Mille Carcasses de venir avec leurs copains, parce qu'ils sont tous déguisés en Star Wars, enfin en Jedi, en héros des films et des animés. On en a deux là, hein. On a un derrière et un à côté, un Jedi. Hein. Moi je suis pas rassuré, je vous le dis tout de suite. Hein. Là. Alors lui c'est un méchant. Hein, c'est... Regarde ton machine. Donc voilà, et puis ben. Tu vois, lui c'est Kylo Ren. Et Kylo Ren, après qu'on ait fait nos premières expositions, il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, nous aussi on aime bien Star Wars, on va venir avec vous faire des animations. Donc petit à petit, on a des gens qui sont venus, qui n'étaient pas forcément prêts à s'associer avec nous, mais qui finalement sont restés avec nous. Puis ça nous permet de faire des animations. Donc le but de l'association, c'est de faire des animations partageant notre passion de Star Wars. D'accord. Et puis bah, pour ça, on a eu besoin de personnes très impliquées, très compétentes dans leur domaine. Donc on a fait appel à des gens comme, par exemple, Oscope, qui s'occupe des jeux vidéo. On a nos propres jeux vidéo, mais aussi, bah, il faut aussi d'autres jeux qu'on n'a pas forcément, des consoles, des télés qu'on n'a pas. Donc on a appelé, on a rejoint Oscope, et Oscope nous rejoint. Et puis bah, c'est le cas pour Alex et puis ses copains de Carcass, hein, qui, bah, quand on fait une animation sur Star Wars, et bah, il va vous expliquer un peu ça mieux que moi. Donc je vous laisse la parole. D'accord. Faut parler fort. Ouais. Alors Mille Carcasses, c'est une association de cosplay qu'on a créée en octobre 2014. Donc au début, on était très axé sur les univers des jeux en Kama. Et puis après, on s'est diversifié avec Star Wars, d'autres univers. Et à partir du moment où on a été invité par Oscope à participer à la première expo en 2015, c'est là qu'on a commencé à se faire connaître, donc c'est un peu grâce à eux aussi qu'on s'est fait connaître. Et après, avec Star Wars Code de Pal, on s'est dit, ben, on a bien commencé sur cette lignée-là, donc on va continuer à venir animer. Alors, nous, notre particularité par rapport à nos costumes, c'est qu'on fait tout nous-mêmes à la main. Donc, on a appris à coudre, à travailler certaines matières plastiques, etc. Et c'est un véritable plaisir de montrer notre travail. D'accord. Alors, quand tu es habitué avec une manette Xbox, c'est totalement différent. Mais c'est quoi là quand tu fais ça? Ah, déjà là tu te baisses. Ok. Comment on fait? Ah d'accord. Je saute. Enfin, je sais. Pourquoi il veut pas? Bon. Ah d'accord. Mais c'est excellent. Je joue comme une brèle. Excusez-moi. C'était Yoda. Que je sais que tu comprends rien à la saga, donc. On est où, Wicket? Camille, elle voit Wicket partout, elle. Putain, elle sait mieux jouer que moi et elle sait mieux sauter. Tu triches, c'est pas possible. T'as fait des cheat codes. C'est sûr. C'est pourri. Je vais te tuer. Il n'y a pas à dire, Camille, elle se balade sur Star Wars.
Mais pas sur Xbox One en tout cas. Voilà, et il est amoureux. Donc au niveau de la Star Wars Côte d'Opale, Star Wars tout court. On pouvait retrouver votre travail dans quel cosplay? Bah nous on avait quelques personnages costumés, donc il y avait la reine Amidala qui était là, moi-même j'étais là en canon, on avait Dark Neil et Dark Talon qui sont issus de l'univers de Star Wars Legacy, et on a organisé les concours à défiler qui se sont faits sur scène les deux jours. D'accord, ok, et en fait l'un comme l'autre, l'une comme l'autre. On peut vous appeler comme ça pour dire bah tiens je sais pas, je fais une bar mitzvah, j'ai envie d'avoir un truc sur ouais, Star Wars. Ouais, ou demain je me marie et... Alors pour nous c'est un peu délicat, c'est parce qu'on a quand même pas mal de logistique, on ramène des collections, nous c'est plus des collections de jouets et de maquettes, c'est pas évident, et puis des jeux vidéo. C'est pas évident à tout installer. Hein. Par exemple, aujourd'hui, pour Leclerc, on est arrivé ce matin, en ce qui concerne, je suis arrivé à 8h30. Il y a eu deux grosses heures de montage d'expo, et puis ce soir, pour repartir, ça va être pareil. Donc je dirais que c'est pas quelque chose qui est faisable actuellement. Par contre, effectivement, pour des costumes, pour des animations ponctuelles, très rapides, je pense qu'il faut faire appel à des personnes qui sont, elles, qui ont plus l'habitude. Et, je pense qu'il est, bien rodé à cet exercice-là. Nous, on commence à savoir faire des petites animations comme ça. On n'a jamais fait dans le cadre d'un mariage ou d'une bar mitzvah, mais si on nous le demande, on étudiera la demande pour répondre au mieux. En fait, il faut proposer. Ouais, pourquoi pas, c'est à envisager. Pour l'instant, je dirais non, parce qu'on n'a pas le matériel. Il faut quand même du matériel, des décors qui soient facilement transportables, montables, rapidement montables. Il faut peut-être que ce soit un scénario. Il ne faut pas arriver comme ça avec nos jouets, les mettre sur une table. Peut-être pour un décor d'animé presque parfait, pourquoi pas, sur le thème de Star Wars, on peut venir avec nos casques et nos sabres, les poser sur la table, pourquoi pas. Mais dans le cadre d'une animation, je dirais oui, une fête de mariage ou autre. Pour l'instant, c'est pas faisable, mais peut-être plus tard, avec le développement des associations, aussi bien à l'heure que la nôtre, ça peut être envisagé. Mais pour l'instant, je dirais, on va se cantonner à des expositions comme tu disais tout à l'heure, celle qu'on a faite en décembre, l'expo Star Wars, que vous avez particulièrement bien mis en image. Merci encore pour votre vidéo. Et ouais, donc, on verra l'évolution, on verra après. Après nous, bon, encore une fois, vu notre âge, c'est pas évident de... C'est pas l'avantage, je veux dire. Mon âge. Non, mais voilà, c'est un peu... On a aussi pas mal d'occupations et de l'autre côté. Ça nécessite quand même beaucoup d'investissement et beaucoup de temps libre pour pouvoir se dire, tiens, on y va le samedi après-midi, ou un samedi soir, ou un dimanche aussi, à droite à gauche, pour faire des animations. Voilà, donc pour l'instant, je dirais non, mais pourquoi pas. Envisager. C'est un copain, on va dire. Oui, je dis ça, ouais, c'est parce que je connais quelqu'un, notre fournisseur qui est très très fan de Star Wars, Kevin Ameston, et je suis sûre que si on lui disait on a des pépères qui sont capables de venir pour te voir en cosplay, il serait fou, quoi. Il serait fou. Pourquoi pas, c'est... Mais vous discutez. Oui, non, mais dans le cadre d'un thème spécialisé, quoi, pas juste comme ça pour faire plaisir, forcément. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui pourraient être intéressés, je suis sûre. Hein, il y a des gens un peu foufous comme nous, mais... et je suis sûre que ça leur ferait plaisir, genre pendant 10 minutes à leur mariage, d'avoir une petite animation. Ouais. Je suis sûre et certaine. Ça nécessitera peut-être des évolutions qu'on essaye d'imaginer. Hein. On essaye peut-être déjà de voir créer une petite, je dis bien une toute petite, hein, petite armée. Donc dans le cadre de l'association, essayer de récupérer des costumes qui pourraient être mis dans un... commun, on va dire, pas que des costumes personnels. Moi personnellement, je sais pas coudre, j'ai personne dans mon entourage qui peut coudre, donc c'est pour me retrouver avec. J'ai voulu faire un achat, mon premier achat de cosplay sur internet, une catastrophe. Le truc il était horrible. Ah non, mais c'est et t'as l'impression d'avoir un truc sur le dos, mais horrible, en espèce de flanelle de soie, enfin brillant, couleur vanille. En fait, c'était censé être le costume de Luke. Je l'ai acheté, je voulais le mettre pour les animations aujourd'hui et la semaine dernière au Gaumont. J'ai trouvé ça tellement nul que je l'ai remis dans le paquet, je l'ai renvoyé à eBay, quoi. C'était une horreur.
Alors si c'est pour faire c'est pour faire ça, autant rien faire. C'est pour ça que d'ailleurs je suis venu. Ouais, ou alors il faudrait mettre 1000 balles dans le cosplay. Quoi, oui, ou alors avoir des talents, des talents de couturier comme eux, comme tu vois Claire de, qui a fait son costume d'Amidala, vous avez certainement vu. Oui, c'est ça. Oui, avec ça, la grande là, c'est du talent. Par contre, tu as aussi de l'investissement en matière de matériaux, du temps, et puis le talent, quoi. Personnellement, je peux pas le faire. J'ai voulu choisir la facilité, acheter un truc, c'était de la merde, quoi. Donc, du coup, j'ai remballé. Puis, Donc oui, donc dans l'évolution, ça sera peut-être faire des costumes, peut-être un petit peu plus sophistiqués. Je vois par exemple des armées de Stormtroopers, tu vois, des armures. Pourquoi pas? Pour que bah, si jamais, aussi bien nous qu'eux, ou bien d'autres personnes dans l'association, on dit, bah tiens, on est sollicité un mercredi ou un samedi, et que nous, on ne peut pas y aller, bah, au moins, ça serve à tout le monde. Ça serve à l'association. On ne soit pas tous obligés à chaque fois de nous bah, dire, ah, bah, tiens, c'est mon armure, donc il n'y a que moi qui la porte. Et pourquoi pas? Ça, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir. Et ça permettrait également de préparer la prochaine grosse exposition, qu'on espère en 2019, parce que 2018, on va se reposer un peu. Mais si on refait une exposition, une grosse exposition comme on a faite début décembre, ce sera plutôt en 2019, avec d'autres choses, et notamment, je pense, des costumes comme une petite armée, une armée de Stormtroopers, ça peut faire son effet. Donc vous envisagez de refaire une Star Wars Expo alors? On en discute. Ouais. Si tu me dis on la fait demain, je te dis non. Non. Non, non, on est fatigué. On a mis, en ce qui me concerne, on a commencé quand en mai 2016 pour l'association. Ouais, un petit 6 mois après la première expo. Ouais, donc tu vois, mai 2016, ça fait pour décembre 2017, ça fait un an et demi de préparation, de prospection. Ça va être très fatigant. Bon, c'est la première aussi, hein. La deuxième sera peut-être un peu plus simple au niveau des contacts, hein. Des gens déjà. Le plus important, c'est de créer des partenariats. Une fois que c'est créé. C'était d'aller voir les gens un par un, les sociétés, ils leur dire on a une exposition Star Wars, ah c'est quoi Star Wars? Ben, c'est, vous savez, c'est les pépères noirs et pépères blancs qui font la guerre dans l'espace, ça nous intéresse pas. Finalement on s'est rendu compte qu'en expliquant bien le projet, les gens étaient réceptifs. Et puis au fur et à mesure, on a eu des partenariats qui sont créés, d'autres qui je pense qui regrettent de nous avoir. Ouais. Aujourd'hui, j'ai eu des appels aussi, si ça vous tente, on va travailler ensemble, je vais réfléchir. On m'a lâché une fois, deux fois, j'ai pas envie qu'on me lâche deux fois. Oui. Et après, on a eu l'aide aussi de personnes comme Laurent, qui sont arrivées sur le tard, mais qui sont arrivées en mars, avril. Mars de cette année, et qui ont apporté leur technicité, leur savoir, parce qu'ils ont déjà tourné dans différentes conventions, des choses plus professionnelles que ce que nous on a fait. Donc ils nous ont apporté un œil neuf, et ils ont apporté des idées. Et ça, c'est bien aussi, parce que nous, on n'est pas resté dans le petit coin de Boulonnais, on a permis aussi que l'association elle s'ouvre au-delà de Boulogne. Et ça a permis, en plus, d'avoir des gens qui sont venus de Deauville, qui sont venus de ils sont venus de Paris en tant qu'exposant. Donc là c'est aussi le but, c'est d'ouvrir l'expo et l'association aux frontières, au-delà des frontières du Boulogne. C'est bien. Alors là il y a la Super Nintendo, la Dreamcast, la Nintendo 64, la PS. La Super Nintendo. Non, Nintendo. La Super Nintendo. 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 Bon, bref. Et une PS3. Je sais pas, mais un membre, oui. Depuis peu, j'ai découvert l'asso en mars. Une bande de doudingues d'une quarantaine d'années, on va dire qu'ils sont jeunes. Je me sentais un petit peu perdu parce que je suis plus habitué effectivement à voir des gens ni sur l'île ni sur Paris. Et puis là, je me suis dit, mince, je suis pas tout seul sur Boulogne-sur-Mer. Non, ils avaient une bonne idée, donc voilà, c'était l'occasion de faire quelque chose. Bon, on a fait une petite expo. On peut dire aujourd'hui qu'on a réussi quand même. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une expo d'un mois au Portel. À la médiathèque de Portel, nous ont invité pendant un mois et on a fait une exposition sur peut-être 40 mètres carrés à peu près.
avec des vitrines, avec des objets qu'on avait fabriqués, des objets qu'on avait achetés. Et pareil, avec des animations cosplay, des animations jeux vidéo, et ça, ça a bien marché. Et ça a permis de faire connaître de personnes qui étaient bien dans leur coin, mais qui n'avaient jamais osé franchir le pas de rejoindre une association pour s'amuser avec nous. C'était le cas de Laurent. Je vous dis, Laurent, il a quand même. Il est modeste, mais il a une belle expérience au niveau Star Wars, notamment Planet Star Wars, qui est un site dans lequel il est actif, un site internet. Et donc, grâce à ça, il côtoie quand même des gens très pointus de Star Wars au niveau national. Et lui, il a apporté une bonne technicité que nous, on n'avait pas, un côté un petit peu moins amateur. Et c'est le cas d'autres personnes qui sont venues que pour l'exposition, mais qui vont apporter un... Quand tu paieras une bière après. Même deux. Ouais, non, il a apporté quand même aussi du monde derrière lui qui a fait que l'exposition est passée à un niveau supérieur, qui nous a un petit peu plus pris au sérieux au niveau national. On n'est pas resté local. Ouais, tout à fait honnête, on a déjà des contacts sur des bars parisiens, par exemple, qui seraient partants pour venir sur la prochaine organisation. Ou des fournisseurs de t-shirts, des magasins éphémères, ce genre de choses. C'est cool. Petite notoriété qui s'est faite et puis à nous d'entretenir. Alors, la notoriété, je dirais que c'est pas pour reflater notre ego, hein. C'est surtout pour pouvoir partager encore plus de choses avec. Parce que nous on veut rester au niveau local, que ça soit Boulogne, Calais, Dunkerque, on veut expliquer. On veut que ça soit quand même Côte d'Opale, on est Star Wars Côte d'Opale, on veut le rester. Et les gamins qui n'ont pas la chance d'aller dans des conventions à Paris ou en Belgique ou en Angleterre, c'est à nous de leur apporter un petit peu d'univers Star Wars. Alors à notre niveau, encore une fois, avec des jouets qu'on a bricolés, qu'on a achetés, mais le but étant de nous faire de plus en plus connaître pour apporter encore un peu plus de choses aux enfants. On espère peut-être qu'on n'a pas fait cette année, c'est inviter peut-être la prochaine fois un acteur. Des doubleurs, on a eu la chance quand même d'avoir un auteur. Alain Musset qui est venu, qui est quand même très connu du milieu Star Wars national. On a eu la chance d'avoir Gérald Glaise, pointu dans son domaine de jeux vidéo. Oui, donc on a eu pas mal de petites choses sympathiques et on espère en avoir d'autres à faire pour les faire. Non, pour les offrir, je dirais, aux Boulonnais ou aux gens de la Côte d'Opale en général. Voilà. Et puis juste une coupure, regarde, il y a Jean de Masque qui est encore fait. Non mais sérieux, il faut le filmer. Non, laisse ton masque. Il a chaud. T'as déjà vu un chien comme ça? Ouais. Ouais, je vous le dis pas. Façon, extraordinaire. Il perd pas ses poils. Il chie pas partout. Il fait pas partout. Bon, j'adore. T'as un nouveau album qui est sorti de l'Astérix? Ouais. Il est juste quoi dans ce bandeau de gros? C'est quoi Astérix? C'est Astérix et contre Dark Vanix. Je connais que. Je connais que Star Wars. Si, c'est Astérix contre Dark Vanix. Moi je l'ai vu deux fois déjà, non il est très bien, franchement, ouais. si, je suis fan d'Astérix aussi, j'ai pas de bêtises. T'as un timing. Ça veut dire que demain on te fout en Obélix? C'est gentil, je crois. Ou en idée fixe, ou en Astérix, peu importe. Ah, le blague idée fixe. J'ai une question qui m'est venue en tête, mais attends, parce qu'il faut qu'elle me revienne. Bah, donc elle est pas en tête? Si, je l'ai eu. La question c'est, pourquoi on est tous barbus, c'est ça? Parce que c'est la mode. C'est parce qu'on s'appelle les barbus de l'espace. C'est vrai, toi aussi. Ouais. C'est les barbulés. Mais... Parce qu'on est quasiment tous barbus. Sauf les filles, d'ailleurs. Ouais, on est barbus, pas barbants. Ouais, et sauf les jeunes là-bas. Ouais, les jeunes, faut voir tant que ça pousse. Et sinon. Star Trek? Ouais, t'as raison, c'est toi.
Merde, j'arrive pas à reconstruire ma question. Ça commence par un nice, ça finit par un wok. Non, ça. Oui, moi je voudrais savoir quand est-ce qu'il y aura un cosplay wok. On y pense, hein, à Claire qui a fait la amygdala, sa petite de 4 ans, elle avait envie de lui faire faire un wok, mais elle est peut-être encore un peu jeune, alors peut-être pour la prochaine expo. Bah Lou, tu veux pas faire l'Ewox en 2019? Peut-être qu'il faudrait qu'on tombe sur des personnes de taille dans l'association. Sans faire, de cosplay, il y a des gens qui font des très très beaux très belles peluches, on va dire. Ewox, faites main, qui sont pas mal. Peut-être les inviter la prochaine fois. Parce que bon, moi je veux pas dire, mais les Ewox, ça fait partie de Star Wars quand même. Ouais, mais si tu veux, c'est passé de mode maintenant, c'est les Porgs. Non, bon. C'est les porcs. Oui, bah non. Bah non, moi je veux un wicket. Ah, alors ça par contre, on peut peut-être essayer de trouver l'acteur. C'est très bon pour les animations. Pas, Warwick Davis. Ah, Warwick Davis, c'est très gentil, mais bon, je pense pas qu'il soit dans nos tarifs. Hein. Ah, il faut négocier avec Mickey. On prendra un acteur d'un film pas très connu de la série Star Wars ou un acteur qu'on voit couper au montage. Essayer d'avoir Yannick Vitvelo, il est vraiment très. Pour ceux qui connaissent pas, vous faites Google it. La petite princesse Leia de Rogue One, Sinon, il y a Femi Taylor qui tombe pas mal aussi. Femi Taylor, qui tombe avec. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Femi Taylor, c'est celle qui est en vert, là, qui se fait bouffer par. Enfin, qui se fait torturer par Jabba dans sa caverne. Baptisé avec Jean-Claude Bonda, là, je suis sur l'affaire, je l'annonce en direct à Nicolas. Oh, qui est le doubleur officiel qui a repris le relais de Roger Carrel. Donc, c'est 3PO. Qui double ses 3PO, Winnie Lourson aussi, entre autres. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, voilà pourquoi il est venu dans l'association, c'est pour nous apporter des nouvelles idées. Ah, mais sur 10 annonces, j'en ai qu'une qui fonctionne. Son carnet d'adresses. Non, mais regarde. Non, mais c'est cool, il faut savoir s'entraider, chacun de son côté. Okay. Voilà. Et, donc en fait, vous êtes des grands enfants. Non. Moi, on m'a toujours dit l'âge, c'est dans la tête. Ah, exactement. Voilà. Plus ça va, plus t'as une grosse tête. Pardon. Non mais quand je dis ça c'est que vous vivez dans un monde à part en fait. Ah non c'est bien Boulogne-sur-Mer ici. Mais toujours l'espace culturel de chez le père pour les emmerdes. Je te rassure. Mais il y en a pas beaucoup. Très terre à terre. Vrai qu'il y a des moments où on a un peu l'impression d'être des extraterrestres. Hein, bah c'est ça parce que Star Wars tout le monde n'apprécie pas et. C'est sûr. Non mais tu sais moi Lance ou l'OM ou tout ce qui s'ensuit, il y a des gens qui n'apprécient pas non plus. Hein. Oui non mais je suis tout à fait d'accord. Mais entre un footballeur et quelqu'un qui se balade comme la bébête qui fait peur là. T'as jamais vu Neymar au réveil toi, mais il fait peur aussi. Hein. Non mais attends. C'est vrai qu'ils sont déguisés aussi les footballeurs. Eux ils ont des boyons pour faire des. Avec des chaussettes hautes qui montent jusqu'aux genoux, des t-shirts trois fois trop grands, avec des sponsors. Non mais ils sont déguisés aussi. Non, chacun a sa petite passion. Oui, voilà, on n'est pas des parias non plus. Quoi. C'est juste que l'univers de Star Wars, je trouve que je pense que à votre âge, sans critiquer votre âge bien sûr, je pense que vous avez grandi avec. Tout à fait. Et que c'est pour ça que je dis vous êtes des enfants en fait, c'est parce que c'est vous. Ça dépend, je peux pas parler pour Nico parce qu'on se connaît depuis très peu de temps, mais en ce qui me concerne, j'ai quand même été à la tête d'un site francophone assez réputé pendant 15 ans. Le travail de rédacteur en chef des actualités, je pense pas que ce soit un jeu. Si tu veux. Dans l'univers, je veux dire vraiment dans la passion. C'est dans la passion. Oui, parce que ça touche des jouets, parce que ça touche des films pour les gamins, c'est plus ça, non? Non, pas des films pour les gamins, non, pas loin de là, non. Non, mais c'est parce que c'est des trucs qu'on me dit régulièrement. Quand, par exemple, quand je prends pas mal du tout. Hein. C'est pas des films pour les gamins. Non, mais ce qu'on a réussi à faire, par exemple, c'est des réflexions qu'on a eues, c'est des films pour les gamins, c'est des jouets, donc ce n'est pas pour les adultes, et c'est pour ça, c'est les raisons pour lesquelles, quelquefois, les recherches de partenariat ont échoué parce que les gens ne prenaient pas trop au sérieux la chose, mais on leur a expliqué que c'était pas parce que c'est des jouets et puis des films pour gamins que on allait rester dans un monde de gamins. On a réussi quand même, par exemple pour l'exposition début décembre, à faire connaître. Il y a Wilfried qui est là qui nous prend en photo, par exemple Wilfried qui n'était pas dans le. Qui est peintre, hein, qui a fait l'exposition de peinture. Les 12 tableaux qu'il y avait sur le mur blanc. C'est Wilfried qui les a fait. Il y en a deux aussi en exposition. Bonjour, très beau travail. Bonjour. Je me permets. Et Wilfried ne va pas me contredire en disant qu'à la base, il n'était pas très fan de Star Wars, c'est pas un grand fan de Star Wars. Après, j'ai travaillé sur un second qui l'a demandé. Voilà, donc grâce au fait qu'il ait apprécié la démarche, il a fait pas mal de tableaux, il les a exposés,
Et ça a permis à des gens de Boulogne et autres, ou même du Portel d'où je viens, de découvrir que, bah, que j'ai pris un talent fou en peinture. Ouais, c'est par, au travers Star Wars. Donc les gens qui n'ont pas forcément apprécié Star Wars ont peut-être apprécié son travail. Et c'était le but aussi. Le but recherché, c'est que, c'était de montrer qu'au travers Star Wars, il y avait des gens talentueux. Et, on n'était pas forcément fan pour apprécier le travail des gens. En fait, de loin, très loin là-haut, la galaxie, il y a aussi du très local. C'est ça. Bah, oui, bah, c'était ça. Le but, c'était de, ouais, de faire découvrir, de faire un concert de toute beauté sans être particulièrement fan également. Ouais, l'Harmonie Loutro, 64 musiciens sur scène pendant 40 minutes, ils ont répété pendant 2 mois. Bon, bah, et ils ont été très contents de jouer autre. Ils ont joué hier soir quelque chose d'inhabituel, ouais, pour eux. On a eu, ouais, on a eu pas mal de petits artistes, enfin, petits artistes, c'est pas péjoratif, c'est des artistes amateurs qui sont venus, qui ont montré leur talent, et les gens qui, encore une fois, qui sont venus accompagner des gamins, des parents, des grands-parents qui n'étaient pas fans de Star Wars, ont apprécié le travail qui était fourni. Et on a gagné grâce à ça. Enfin, pour moi, j'ai cru qu'on a gagné. C'est pas qu'on veuille faire absolument aimer Star Wars, c'est qu'au travers Star Wars, il y a des centaines de choses, des centaines de matières différentes, et on peut tous peut-être s'y retrouver. Si, enfin, vous avez comme, enfin, je vous confirme, vous avez réussi à faire transmettre quelque chose. Parce que moi, personnellement, Star Wars, je vais pas dire que j'aime pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a discuté. Non, par contre, je ne comprends rien. Bah, en même temps, tu les as pas regardés dans l'ordre. Non, mais le peu que j'ai regardé. Il y a personne qui la regarde dans l'ordre. De toute façon, c'est tellement compliqué. Le peu que j'ai regardé, j'ai rien compris. Ouais. Donc voilà, j'ai abandonné. Attends, c'est un scénario pour enfants. Mais vous avoir vu, ça m'a donné, je sais pas, ça m'a donné envie quand même d'essayer, de recommencer, je sais pas. C'est qu'on a, réussi une partie. Alors on a réussi. Oui, voilà quoi. Y avait Chewbacca qui était là, qui a mis une certaine animation, tout ça. C'était, ça a donné envie quoi. Et en plus, vous avez réussi à amener quelque chose à Boulogne qu'on a, comme vous disiez, sur Paris, parce qu'en fait. Sans le prix parisien. Bah, voilà. Je crois qu'au niveau national, on devait être la seule convention 100% Star Wars. Quand je dis convention, ouais. C'est pas tout à fait le mot convention, c'est exposition, 100% Star Wars, on était la seule. Ah, sinon, la Kimani à Neuville-en-Fer. C'était en mai, C'était pas le même. Donc, c'était la première de cette taille-là. Hein. Ouais, c'était pas la même taille. C'était le fameux QC qui a commencé la vraiment. La Kimani, c'était très bien, mais c'était très petit. Et le vaisseau? Alors, qu'est-ce qui nous a causé comme problème ce vaisseau? Alors, on l'a découvert par internet en mars, oui, je crois, en mars, hein, à peu près, et il était en train d'être fabriqué. Et on a eu un coup de bol, c'est qu'il est fabriqué à 80 km d'ici, à côté de Dunkerque. Et ni une ni deux, on a pris les bagnoles, on est allé voir un dimanche matin le constructeur qui était en fait un garagiste. Un garage professionnel, mais amateur de Star Wars. Et il avait déjà fabriqué un Bumblebee de l'univers Transformers, en échelle de quasiment 1. Il a fabriqué un AT-ST, donc encore une bébête à deux pattes de l'univers Star Wars, qu'on avait vu lors de la Geek Day. La Geek Day, non, vous avez vu à la sortie du Réveil de la Force au Gaumont, il l'avait exposé là-bas. Ouais. Et je l'ai vu à Vieux-Condé aussi. Et puis donc, quand on a vu les X-Wing, on a dit « il nous le faut ». Mais quand on dit « il nous le faut », ça nécessite quand même beaucoup de moyens et beaucoup de logistique. Parce que c'est quand même une bestiole qui fait 12 mètres de long, 12 mètres de large et 3 tonnes 5. Il a fallu deux plans morts pour pouvoir transporter et les autorisations nécessaires de la part de la mairie de Boulogne pour pouvoir l'installer là où ils le voulaient eux et non pas nous, parce que il fallait qu'il soit protégé, il fallait qu'il soit abrité par rapport à l'infrastructure du bâtiment qui est tombée en miettes. Donc bon, on a eu pas mal de soucis jusqu'au dernier moment, plus l'allocation des chariots aux débatteurs, tout ça, on a eu même jusqu'au démontage on a eu des problèmes. Chose qu'on a réussi à faire quand même, c'est qu'on a amené un vaisseau comme ça à Boulogne-sur-Mer, pas deux, puisqu'on avait dû la tester, et c'était pas gagné. Par contre, la mairie de Boulogne, dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit « Ah ouais, super, on le veut, c'est génial, ça !» Enfin, en limite, c'est nous qui nous sommes démerdés pour l'avoir. D'accord. Mais bon, on a eu quand même... Ça a été les grosses frayeurs. J'ai eu la larme à l'œil quand je l'ai vu poser, tout seul. Mais ça y est, là, on peut enfin commencer à respirer, et non. Parce que le soir et la nuit, il y avait encore des équipes qui étaient en train de l'installer. Il y a eu 5 heures de montage en tout.
mais en pleine nuit, donc au mois de décembre, avec un temps comme il a fait, c'était pas terrible. Il fallait 4-5 bonhommes pour soulever les ailes, pour l'installer, boulonner, tout ça. Il fallait de la lumière, on avait pas de lumière. C'était la croix à la bannière. Le gars est revenu le lendemain matin, avant l'ouverture de l'exposition, pour terminer le montage. Franchement, là, il était super sur le coup. Hein. Bon, après, on louait, hein, c'est une location. Donc, il fallait quand même qu'il monte sa maquette, qu'elle soit la plus sécurisée possible et dans les temps. Ça s'est bien bouclé. Et je pense que c'était quand même la pièce centrale des maîtresses de notre exposition. Juste dommage que quand j'y étais là, elle n'était pas bien mise en valeur. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus mise en valeur, mais les conditions, encore une fois, climatiques étaient telles qu'on devait le mettre à l'abri, donc on ne pouvait pas le mettre en extérieur, ou même on ne pouvait pas le rentrer, on n'avait pas de salle assez grande pour le rentrer. Il avait été loué une fois à Lille, et à Lille, il était dans au Grand Palais. Là, il était à l'intérieur de l'exposition, à côté d'un bar, c'était magnifique, quoi. Les gens passaient en dessous, sur les côtés. Au départ, on voulait mettre des barrières. Et puis le propriétaire a dit non, vous ne mettez pas de barrière. Moi, je veux que les gens viennent, ils le touchent, c'est du métal, ils veulent qu'ils tapent dessus. Ils voulaient vraiment que le public apprécie son travail, non pas seulement visuellement, mais aussi tactilement. Et ça, c'était vraiment sympa. Parce que les gens pouvaient s'en approcher. Peut-être pas monter dessus, c'était interdit, mais au moins le toucher. Donc, c'est quelque chose de mythique quand même de pouvoir toucher. Hein. Même si c'est une reproduction, on touche quand même un vaisseau échelle 1 de Star Wars. Donc, pour les amateurs que nous sommes et que les visiteurs sont, c'était assez simple. Sympa quoi, c'est une bonne satisfaction de notre part d'avoir essayé. C'est une belle pièce. Ouais. Bon, une petite dernière question, comment on fait pour vous rejoindre là comme l'autre au niveau de l'association? Non, si on a envie, est-ce qu'il faut? On ferme là, c'est les vacances. Est-ce qu'il y a une adhésion à payer? Est-ce qu'il faut être absolument alors, 100% de Star Wars ou avoir des... Justement, là, c'est le truc, c'est qu'on a séparé quand même les associations en ayant... Enfin, Micarcas, l'association de cosplay, a gardé sa totale indépendance, sa totale... C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent leur association. Donc, pour une personne qui veut rejoindre Micarcas pour être cosplayer, voyez ça avec Alex, il a une page internet, un site, une page Facebook, vous pouvez voir ça avec lui. Donc, l'association nous rejoint quand on fait des animations Star Wars. Si la personne n'est pas forcément intéressée par la totalité du cosplay, elle peut rejoindre l'association Star Wars Côte d'Opale. Ça nécessite une adhésion de 20€ par an. Et ensuite, il faut s'impliquer un petit peu dans les organisations d'expositions, les déplacements, savoir si la personne a un petit peu de matière à nous apporter en livre, en BD, en jouet, ou en costume aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc nous, c'est sur Internet, sur Facebook, c'est Star Wars Côte d'Opale ou bien SWCO62. On a des pages Facebook et puis on a un site internet, c'est toujours SWCO62. Puis après, encore une fois, il y a Micarcas qui a sa propre page. Et donc Micarcas, c'est un peu le même principe, hein, une adhésion annuelle à payer. On est prêt à accueillir des personnes qui ont déjà fait du cosplay mais de façon très amateur. On est prêt à apprendre des choses à d'éventuels débutants. Après, c'est le même principe. On demande juste un petit peu de participation à nos animations, un échange, de la bonne entente. Et voilà, on partage de la passion aussi bien entre nous qu'avec le public. Ok. Ouais, on va essayer par exemple pour l'année 2018, le dernier projet que j'ai en tête, c'est d'organiser un stage de sabre laser. Donc il y a des combats de sabre laser qui sont organisés, mais enfin pour combattre il faut savoir manier le sabre et pour ça bah, il faut des stages, il faut des gens qui sont, je dis pas professionnels, mais très compétents dans leur domaine. Donc j'ai proposé à l'association, aussi bien à notre association à nous que à Micarcas, puisque Micarcas sont amenés aussi à faire des combats de sabre laser, à se joindre à nous pour participer à un stage d'initiation au sabre laser. Donc ça c'est un des projets pour le premier trimestre 2018 par exemple. Ça nécessite une petite participation en plus, mais c'est plus de 3 heures de stage, des choses à apprendre. D'accord. Donc ça, c'est vous qui organisez le stage? Ah non, du tout.
C'est une association, c'est l'association Epicanine qui est venue en début décembre chez nous à l'exposition, qui a participé à des animations, qui nous a proposé de revenir pour faire un stage. Donc je suis en pour parler avec eux parce que ça me semble intéressant. Et pour les gens des associations Star Wars, Côte d'Opale et Mille Carcasses qui voudraient s'initier au vrai combat de sabre laser, donc quelques techniques de base, mais nécessaires et surtout qui seront utiles pour créer des chorégraphies plus tard. Je pense que c'est un bon investissement. Une chorégraphie sécurisée, parce que quand on improvise, il y a des fois quelques accidents, les doigts s'en souviennent. Donc voilà, ça fait partie des projets. En plus d'autres projets qui viendront, j'espère, grossir. Ce sera peut-être un futur reportage pour toi, ça peut être intéressant. Ouais. Ou alors il a peut-être envie de participer au stage, notre ami Jérémy. Dans ce cas-là, je filmerai. Hein ouais, moi ça me plairait. Il a peut-être envie de mettre une robe de chambre et puis un sabre en mousse. Ok. Tu mettras ta robe de moine, enfin ton déguisement de moine, ça fera à peu près. Ah oui, c'est pareil. Non, mais je le fais, maintenant que vous m'en parlez, je le fais. D'accord, c'était dur. Bon, ben voilà. Oui, non, okay, bah, rendez-vous et puis. D'accord. On reste en contact. Oui, oui, pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Bon, vous avez un petit mot de la fin? Ouais, on va réussir à l'avoir, t'as deux choses. Ouais, et puis ça sera conduit par Annie Walk. Merci à vous. Merci à vous d'avoir fait découvrir Star Wars dans notre petit coin à nous. Là où il fait froid. C'est vrai, on a porté un petit peu de Star Wars ici à vous. Non, lève pas la patate. Ouais, c'est pour dire, c'est de la passion. On partage une passion, donc c'est un plaisir. Hein. Voilà, on a hâte de partager aussi les fêtes de Noël en famille. Oui, hein, ouais, c'est bien. Je crois un que là, ce soir, tu vois, les caisses vont être fermées, elles vont changer. Ah, c'est vrai, tes vacances, oui. Ça va faire du bien un petit peu de penser à autre chose. Parce que nos familles, il faut dire, ouais, que nos familles ne nous suivent pas toujours dans nos délires. C'est chronophage. Vas-y, mon gamin, ça va, j'ai de la chance. On y va, on va ranger, nous. Allez, on y va. Allez, merci beaucoup. Des captures d'écran en rentrant. Ça fumait déjà là. Ah, j'ai lancé, mais prenez votre temps. Il est où Kylo Ren? Ah non, elle a peur. Ah ouais, Camille, ouais, elle a peur. C'est pas grave, il peut venir quand même. Ah, ouais, mais bon. Ah, imagine que c'est un Ewok. Ah, tu l'as pas vu sans masque, hein, il est encore pire. Si, je l'ai vu. Si, je l'ai vu sans masque. Justement, c'est pour ça qu'elle a peur. Jérôme. Non, j'ai peur de la bébête. Jérôme, remets le masque. C'est des bébêtes pour moi, tout ça. C'est bon, on commence. Vas-y. Je vais t'en sortir parce que ça fait du bruit. Il a quel âge?